Alors, bonjour à tous, nous voilà donc à Morlancourt pour vous montrer les lieux donc du rallye thon d'Albert 2017. Alors, on a là, voilà la salle des fêtes où va être basé le rallye thon. Donc, sur la droite, ça sera le retour donc pour partir vers la spéciale et peut-être un petit peu l'assistance. Là, sur la porte rouge, ça sera les personnes qui descendent, qui sortiront d'ici pour monter dans les voitures pour faire les baptêmes, donc qui seront installés là ici. Là, sur la partie gauche derrière là, et il y aura l'accès pour l'assistance. Donc, comme ça, l'assistance sera juste à côté de la salle des fêtes. On va aller voir de plus près. Une zone qui est assez grande, remplie d'herbes, c'est plat. On pourrait mettre pas mal de voitures, etc., sans aucun souci. Et auquel cas il n'y aurait pas de place, on pourra encore se permettre de mettre des voitures là sur la partie gauche et sur la partie en face, étant donné que la route en face sera fermée. Là, on revient sur le devant de la salle des fêtes et on part sur la première spéciale pour un routier de 800 mètres. Ce départ se fait ici. Donc là, cette route là, elle sera ouverte. Par contre, ici, les routes seront fermées et le départ de la première spéciale va se faire à peu près ici. Il faudra qu'on regarde. Donc voilà, là on est dans la spéciale 1. Enchaînement là, donc les habitations sont prévenues, et donc là on arrive sur la première épingle, une épingle droite avec la zone spectateur qui sera là juste en face. Direction là ici avec la deuxième zone spectateur en face.
virage intéressant. Et pour arriver ici. Donc là, voilà la première spéciale. Et donc, on repartirait donc sur un routier d'un kilomètre deux, là, ici. Théoriquement, c'est celui qu'on aimerait sortir un petit roadbook pour que les gens puissent donner la route. Ça serait sympa. Et là, on arrive tout de suite à la deuxième spéciale. En fait, c'est une rue, c'est une petite route parallèle à la première. Là, le départ sera à peu près ici. Il y a déjà un beau virage au départ, et un deuxième. Alors sur le plan, elle paraît droite, mais elle est assez sympa également. Là, on verra bien. Peut-être qu'on mettra une chicane à ballot ici, au niveau des arbres. Deuxième chicane à ballot quasiment sûr ici. Comme ça permet de passer un petit peu. Là, on arrive sur un dernier virage où l'arrivée devrait être ici à peu près pour redescendre à 50 km/h au panneau d'entrée du village. Avec une zone de ralentissement comme on avait fait sur le premier aliton. Et donc là, on repart sur le routier pour retourner à la salle des fêtes. Donc là, le routier pour revenir, c'est simplement dans le village. Donc il n'y a rien de bien long. La première zone spectateur se fera ici sur la gauche en fait. On traverse la route et on revient directement à la salle des fêtes.